Bah, mon analyse du match, c'est que voilà, on s'est fait peur en début de match en encaissant ce but assez tôt. Après, on s'est très bien repris, on a marqué le but directement, donc c'était bien, ça nous a fait beaucoup de bien. Et puis voilà, on a été solide mentalement pendant tout le match, on a réussi à marquer beaucoup de buts, donc c'est très bien pour l'équipe et pour les attaquants, ça va leur donner beaucoup de confiance. Ouais, Nico a fait encore de très bons arrêts, je pense qu'il confirme sa bonne forme et voilà, et ça, c'est sûr que c'est rassurant pour un groupe d'avoir un gardien qui prend autant de ballons et qui sauve son équipe quand il le faut. Un match difficile, on s'y attendait, contre une équipe qui a besoin de points. Donc voilà, ça a été difficile en première mi-temps, on s'est fait un peu bouger dans les duels, dans le jeu aussi, on n'a pas été très juste techniquement, mais heureusement on marque rapidement après avoir encaissé, donc ça c'est une bonne force mentale. Et puis en deuxième mi-temps, on a élevé notre niveau, que ce soit dans l'agressivité et dans le jeu, on a été meilleur. Et on a logiquement marqué deux buts qui nous ont permis après de jouer un peu plus sereinement, même si sur la fin, ils ont espéré avec ce but, cette réduction du score. Mais Jérémy, on a bien géré l'après, parce que Jérémy a marqué le but qu'il nous fallait pour souffler. Je pense qu'on était vraiment motivés pour les trois points qu'on a pris contre Bruges. Et c'était le moment aujourd'hui pour enchaîner les victoires. C'était le moment parfait, je dirais. Alors, ça fait du bien, ça fait du bien parce qu'on continue là, près du play-off 1 et c'est notre motivation pour la saison. Alors, c'était le moment pour le faire, aujourd'hui ou jamais. Voilà, on avait affiché de bonnes choses contre Bruges, il fallait le voir sur la durée, sur deux matchs, même si l'occurrence, c'est pas Bruges, c'est un match difficile dans l'engagement. Ils avaient besoin de points et voilà, on sait que c'est des matchs un peu difficile à préparer et surtout ici dans leur stade. Je crois que moi, depuis que je suis à Charleroi, on n'avait jamais gagné contre l'Okeren. Donc voilà, c'est une bonne première. Ouais, ça faisait longtemps, très longtemps. Je pense que c'est la première fois en 2018 qu'on enchaîne deux victoires. Donc on va essayer de construire là-dessus et de continuer et d'aller enchaîner la semaine prochaine à la maison. Parce que si on ne gagne pas la semaine prochaine, je pense que ça n'aura pas servi à grand-chose de venir gagner aujourd'hui. On veut enchaîner une 13e victoire. On veut aussi gagner contre eux parce que bon, là-bas, on a eu du mal. Alors c'est un match super important pour nous qui nous permet de rester toujours près du play-off 1. Ouais, les play-off 1, je ne sais pas s'il faut y penser tout de suite. Je pense qu'il faut penser à ce qu'on va mettre dans les matchs. Et puis, ça viendra naturellement avec de bons contenus, avec une bonne mentalité, un bon fond de jeu et faire mal aux adversaires. Et après, les play-off 1 viendront naturellement si on fait tout comme il faut.